L'heure du journal de 22h, bienvenue sur la télévision nationale. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'Union africaine, une occasion pour le président de la République et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'adresser un message aux Africains. Suivez. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création, il y a 58 ans, de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit le 25 mai 1963 à Addis Abeba à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument stratégique et prospectif fondamental et incontournable, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Cet outil d'impulsion, l'agenda 2063, constitue un serment collectif où nous tous, peuples d'Afrique et de la diaspora, unis dans la diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons, de toutes les couches de la société, nous nous engageons pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Nous voulons résolument une Afrique où les armes se taisent, où les femmes et les enfants cessent d'être les premières victimes des violences. Face aux menaces et actions terroristes, l'Afrique doit mutualiser ses ressources et passer à l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Nous voulons une Afrique qui investisse d'abord et surtout dans le capital humain, constitué majoritairement de jeunes. Une Afrique qui donne et redonne espoir à sa jeunesse par une éducation performante et de qualité, accessible au plus grand nombre, garçons et filles à égalité. Nous voulons enfin une Afrique capable de saisir les opportunités qui se présentent à elle sur la scène internationale grâce à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union
qui se poursuit à un rythme soutenu. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, dans cet élan, nous devons aussi avoir le courage de repenser et de retisser les liens culturels et ombilicaux brisés du fait de la tragédie de l'histoire avec nos frères et sœurs aujourd'hui disséminés sur les terres insulaires des Caraïbes et des Amériques. Ensemble, faisons de la culture le creuset de transformation, de rénovation et de modernisation de notre savoir-vivre et de l'accueil de tous les enfants du continent, où qu'ils soient. L'Arène de la Place de l'Afrique s'inscrira dans une démarche mémorielle par laquelle nous serons rassemblés afin de renouveler dans un geste symbolique notre attachement à l'unité et à la grandeur de l'Afrique. Ce jour-là constituera un grand moment culturel et par là même un grand événement historique. Je serai profondément heureux d'inaugurer cette place de l'Afrique située au cœur même de notre capitale, Kinshasa. Je souhaite qu'elle devienne le symbole de notre solidarité active avec tous les frères et sœurs du continent, le signe de notre foi inébranlable en une renaissance perpétuelle de l'Afrique, mais aussi un nouvel engagement pour une remobilisation de la vocation panafricaine du Congo. En plus de la cité de l'Union africaine, de l'avenue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique. Pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver Afrique évoqué par Franz Fanon. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On reste à la présidence de la République cette fois pour parler de la rencontre de chefs de l'État avec les investisseurs égyptiens venus lui annoncer le démarrage des travaux de construction de la station volcanologique à Mbujimayi. D'autres précisions dans ce reportage signé Jean-René Lobo. Les contrats d'investissement signés entre la République démocratique du Congo et l'Égypte vont entrer dans la phase d'exécution. Voilà qui justifie la présence à la Cité de l'Union africaine d'investisseurs égyptiens venus confirmer cette matérialisation de ces contrats signés en février de cette année. La construction de la station voltaïque de Chipuka à Mbujimayi et les travaux du projet Kitoko à Kinshasa figurent parmi les projets. En février, Son Excellence il s'est rendu en Égypte et nous avons vu vraiment la signature de ces différents contrats. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour dire que voilà, nous avons continué à travailler et nous allons, sous son auspice ses directives, nous sommes prêts pour démarrer les projets très prochainement, car nous avons fait tous les travaux nécessaires pour les démarrer au plus vite. Nous estimons que d'ici un mois, nous pouvons mettre les différents premières pierres et démarrer quelques projets comme la station photovoltaïque de 10 MW à Mbujimayi et d'autres projets que je ne veux pas les brûler maintenant, bon, puisqu'on va les démarrer dans un mois et que vous allez être avec nous pour les démarrer. Autre bonne nouvelle pour les Congolais, le projet Kamoa-Kakula va connaître son début d'exécution. C'est l'ancien vice-président sud-africain Galema Montlante, devenu entrepreneur et administrateur des Ivanhoe Mines, qui l'a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Yes, we met with the president and discussed progress achieved in terms of developing Kamoa-Kakula mine from the beginning from scratch. Nous sommes venus annoncer une très bonne nouvelle, celle du démarrage de la mine de Kamoa-Kakula, qui entre en phase de production aujourd'hui. Et c'est une grande nouvelle et un grand sujet de fierté nationale. Il était important que nous puissions partager cela avec le chef de l'État et lui donner aussi un aperçu de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à ce jour. On a discuté aussi des problèmes de logistique de transport, parce que lorsque vous produisez, vous devez écouler vos produits sur un marché. Pour cela, il faut les transporter. C'est ainsi qu'il a été question du corridor ferroviaire de l'Ouest, c'est-à-dire de Kolwezi à Dilelo et qui va jusque à l'Obito, en Angola.
Le projet est déjà en cours. Au mois de juillet déjà, il y aura déjà un appel d'offres qui va être fait pour que les experts qui vont venir faire les opérations sur ces chemins de fer-là puissent être sélectionnés. Par ailleurs, le chef de l'État a participé par visioconférence à une table ronde de haut niveau sur les industries extractives, centrée sur les économies des rentes minières qui tirent une partie substantielle des sociétés évoluant dans le secteur extractif. D'autres choses à présent, direction Nord-Kivu pour parler de cette réunion de crise du ministre de la Santé avec la délégation de l'OVG, Observatoire Volcanologique de Goma. Plus de précisions avec Oscar Mbalkaï. Réunion des crises que le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a présidé à l'Observatoire volcanologique de Goma. Plus de 2 heures d'échanges qui ont débouché sur des mesures importantes prises par les gouvernements de la République pour la protection et l'encadrement de la population en cette période où Goma fait face à des secousses aux allures d'un tremblement de terre. Il s'agit en priorité d'assister les personnes qui ont perdu la vie en leur octroyant un enterrement digne, ce qui est important. C'est dans le cadre de l'appui national que nous avons décidé de mettre cette action. Nous avons d'autres actions qui poursuivront. L'assistance humanitaire également aux personnes victimes de ces éruptions volcaniques, comme vous le savez. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tonnes aux familles identifiées, aux familles identifiées, de manière à ce qu'ils puissent reprendre un abri digne, mais après avis de l'OVG, parce qu'il y a encore des laves qui ne sont pas totalement refroidies, et pour éviter les conséquences dues à des émanations de gaz. Nous allons également contribuer à ce qu'il y ait un accès à l'eau potable, ce qui est important. On a signalé des cas de résurgence de maladies telles que le choléra et nous devons absolument éviter cela. Nous avons aussi levé l'option au niveau du gouvernement d'aider les actions locales pour dégager la route Goma-Rutshuru. La population est appelée à la vigilance et surtout à éviter de fréquenter les sites où les laves sont encore en activité au risque de préjudicier sa santé suite au gaz très toxique qui s'y dégage. Oscar Mbal nous fait revivre également en images la rencontre du gouverneur militaire de l'Ituri avec la délégation de l'ambassade de Suède. Suivez. Entouré de son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de l'Ituri a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC, conduite par Maltid Swinden, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement en période de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant général Luboyaka Chamadioni et son hôte de marque, Maltid. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important, et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, chaque acteur partout dans le monde, toujours suivre le droit international, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant général Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées pour l'observance stricte et sans faille, non seulement de principes de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vue de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Parmi les clés de réussite se trouvent la discipline, les professionnalismes de militaires et de policiers dans la conduite des opérations. Un immeuble de 3 étages s'est écroulé à Goma, dans le Nord Kivu. Le bilan n'est pas encore établi. Une réunion de crise des membres du gouvernement central s'est tenue sur place. Des mesures de protection de la population sont attendues. Reportage de notre envoyé spécial à Goma, Oscar Mbalkaïj, commenté par Françoise Bouilawaki.
de l'observatoire volcanologique de Goma, impayé depuis plusieurs mois. Attentif à leurs cris, le gouvernement de la République vient d'apurer une bonne partie de leur salaire et renforcer ainsi en équipement ces centres de surveillance volcanologique. Motivation, prime et frais de fonctionnement que le gouvernement a mis à l'exposition des OVG. Mais il se pose un problème d'effectif. Vous avez tout suivi, il y a des agents fictifs. On en parle même si c'est dans la radio étrangère. Alors, on a mis en place une commission qui a travaillé. Cette annonce a été relayée par celle des fils du coin, respectivement le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouine Donzangui et celui de l'industrie Julien Paluku Kaongia. Étant conscient du travail qui a été fait, et nous référons même à la Bible qui dit « tu mangeras à la sueur de ton front », le gouvernement a pris la décision de dire pour tous ceux-là qui ont été répertoriés comme ayant été présents pendant les moments difficiles sans être payés, ils sont d'abord prioritaires. Et en deuxième lieu, on examine maintenant la situation des autres, ce sera l'équité. Expression de joie pour ces personnels de l'OVG hyper motivés qui a salué l'intervention du chef de l'État. Voilà, veuillez de corriger avec moi que c'était la réclamation du paiement et prime des frais de fonctionnement des agents de l'OVG. Un immeuble de 3 étages s'est écroulé à Goma dans le Nord Kivu. Le bilan n'est pas encore établi. Une réunion de crise des membres du gouvernement central s'est tenue sur place. Des mesures de protection de la population sont attendues. On fait le point avec Oscar Mbal Taïch. Les plus courageux filment la scène d'évacuation des premières victimes. Ce que l'on craignait commence à se produire à Goma. Personne n'est hors du danger. Les séismes à intervalles réguliers ont provoqué l'effondrement de cet immeuble de 3 étages. Le secours s'organise par les survivants d'entre les habitants du quartier. La scène s'est passée au quartier Katindo, non loin de l'hôtel Ishango. Selon les témoins trouvés sur place, il y aurait eu quelques pertes en vie humaine et quelques blessés. En attendant le bilan exhaustif des services de la protection civile, des routes lézardées, par endroits on sait voir cette fournaise ardente qui peut à tout moment surprendre les habitants sans défense. Côté officiel, les choses s'activent. La délégation ministérielle venue de Kinshasa tient une réunion de crise pour des dispositions afin de protéger la population. 7 membres du gouvernement Samalou Kondé, sous la coordination du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, font une course contre la montre dans une ville en alerte jaune. Des mesures vont être annoncées. Voilà, vous devrez donc suivre à présent la nomination qui a été faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, l'interruption du trafic sur la route Goma-Rutshuru ne sera pas de longue durée. Ce mardi, la Société congolaise de construction a lancé les travaux de remblayage. Une fois de plus, Françoise Bouélabouaki. La route Goma-Rutshuru dans le groupement Kibati, coupée par la coulée des laves produite par l'éruption volcanique de Nyiragongo, va bientôt être rouverte au trafic. Les travaux ont démarré ce mardi 25 mai 2021, un jour après la visite de la délégation gouvernementale venue de Kinshasa sur ce tronçon, la société congolaise de construction Sokok est sur le chantier. Cette route est d'une importance capitale dans l'approvisionnement des produits des premières nécessités vers le centre de consommation, notamment Goma. Longue de 1700 km, cette route voit transiter des produits venus du Grand Nord de la province. Les travaux vont prendre 7 à 10 jours. Nous allons remblayer et recharger le larve pour stabiliser la chaussée et faciliter la circulation. La chaussée aura une largeur de 5 mètres.
À Goma, tout est en mode urgence. La réouverture du trafic pourra faciliter la circulation des biens et des personnes pour éviter l'asphyxie et la flambée des prix des produits. Donc la réalisation me fait signe que les ordonnances du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portant nomination des territoriaux dans les provinces en état de siège, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Suivez. 021/024 du 24 mai 2021, portant nomination des maires et maires adjoints dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, hein, spécialement ses articles 3, 61, 69 à 79, 145, 196, alinéa 2 et 221, vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ces articles 4, 5, alinéa 2, 6 et 126, vu la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010, portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, spécialement ces articles 2 et 3, vu les décrets loi numéro 82 du 2 juillet 1998, portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, spécialement en ces articles 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 2 et 4, vu l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions de maire et maire adjoint dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les officiers dont les noms, postnoms, prénoms et matricules ci-après. 1. Province de l'Ituri, ville de Bunia. Commissaire supérieur principal, Tchabouine Wamiying John, matricule 11 96 60 49 80 721, maire de la ville. Commissaire supérieur Mboui Kola Bosco, matricule 11 96 60 77 13 390, maire adjoint. 2. Province du Nord Kivu, ville de Goma. Commissaire supérieur principal Kabea Makosa François, matricule 11 96 60 46 15 252, maire de la ville. Commissaire supérieur principal Kapand Kamand, matricule 11 96 003 35
35 77, maire adjoint. Ville de Béni. Commissaire supérieur principal, Mouteba Kachalé Narcisse, matricule 11 96 90 0 88 20 49, maire de la ville. Commissaire supérieur Kiamanja Kitwanga Dieudonné, matricule 11 95 90 45 64 232, maire adjoint. Ville de Boutembo. Commissaire supérieur principal, Katunda Lonyenye Sébastien, matricule 11 96 40 88 84 208, maire de la ville. Commissaire supérieur, Moa Baekiteli Roger, matricule 11 95 80 39 86 750, maire adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 24 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/025 du 24 mai 2021 portant nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Article 1er. Sont nommés aux fonctions de bourgmestre et bourgmestre adjoint des communes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les officiers dont les noms, postenoms, prénoms et matricules suivent. A. Province de l'Ituri, commune de Bounia. Commissaire supérieur adjoint Fouamba Kashimbata, matricule 11 960 11 080 134, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Bella Mukena Numbi Pascal, matricule 11 96 20 53 010 12, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Nyakasanza. Commissaire supérieur adjoint Kassongo Mouteba Cécile, matricule 21 96 80 38 94 832, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Lofanjola Molicho Maurice, matricule 11 96 41 0 45 22 71, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Chari. Commissaire supérieur adjoint Matadine Kandelieva, matricule 11 95 60 43 109 541, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Boussilambi Kambibiaï Jean-Baptiste, matricule 11 95 70 60 48 779, bourgmestre adjoint de la commune. Province du Nord Kivu. Commune de Goma. Commissaire supérieur principal Kayemba Mukenya Simon, matricule 11 95 30 64 84 763, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur Moussomboua Louboubou Guy, matricule 11 96 90 55 23 396, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Karisimbi. Commissaire supérieur Elongi Wandeka Jean-Paul, matricule 11 96 400 046 902, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Toumba Kapinga Théophile, matricule 11 96 81 066 642, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Moulekera.
Commissaire supérieur adjoint Ngongo Mayanga Dieudonné, matricule 11-96-000-46-47, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Bassimba Koy Batouafé Paul, matricule 11-96-50-15-18-46, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Béou. Commissaire supérieur Mukendi Chingoma Lambert, matricule 11-95-80-56-71-823, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Mukabu Katamba Jean-Claude, matricule 11-96-80-39-18-627, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Rwenzori. Commissaire supérieur, Nyonfondo T. Kodale Jacob, matricule 11-96-00-21-21-677, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint, Masashi Gitanda Rémy, matricule 11-96-00-24-51-17, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Bungulu. Commissaire supérieur adjoint Vatoussidi Kamalandoua Guy, matricule 11-96-80-18-15-949, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Kidicho Bonganda Théo David, matricule 11-95-80-43-69-902, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Boulenguera, commissaire supérieur Ilunga Mungendi Willy, matricule 11-97-491-188, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Minga Kabamba Zakari, matricule 11-96-230-18-72, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Mikemi. Commissaire supérieur adjoint Louawa Kitseki Job, matricule 11-96-20-52-064-36, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Balitansele Germa, matricule 11-95-30-95-56-734, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Moussassa. Commissaire supérieur adjoint Liombo Walobanga Augusta, matricule 11-95-70-16-25-983, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Koulou Moyo Athanase, matricule 11-96-40-58-28-304, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Voulamba. Commissaire supérieur adjoint, Swele Sende Trifon, matricule 11-96-00-59-19-229, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint, Nzunzi Kakoma David, matricule 11-96-30-43-70-950, bourgmestre adjoint de la commune. Article 2 sont... d'abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 24 mai 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 021-026 du 24 mai portant nomination des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires adjoints des territoires des provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Article 1er. Sont nommés aux fonctions d'administrateur de territoire et administrateur de territoire adjoint dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu les officiers dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules ci-après.
1, province de l'Ituri, territoire d'Arou, commissaire supérieur principal Bambi Kingiana Richard, matricule 11-96-10-355-89-24, administrateur de territoire. Lieutenant-colonel Mandé Bouemba Robert, matricule 16-39-80-338-754, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Djougou, colonel Maboso Assamba Jean Ladis, matricule 16-79-18-52-45-09, administrateur de territoire. Commissaire supérieur principal Mapela Mvi Nyama Rufin, matricule 11-96-60-39-78-385, administrateur de territoire adjoint. Territoire d'Irumu, colonel Siro Simba Bunga, matricule 16-89-10-18-45-08, administrateur de territoire. Commissaire supérieur, Swedi Wakanyusu Wanyaku Soujan, matricule 11-96-70-285-1600, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Mahagi, colonel Dissanoa Laloua Jacques, matricule 16-079-81-80-400, administrateur de territoire. Lieutenant-colonel Toumba Kalala Claude, matricule 16-79-61-11-88-25, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Mambasa, commissaire supérieur principal Matadi Mouyapandi Jean-Baptiste, matricule 11-96-449-18-86, administrateur de territoire. Lieutenant-colonel Chichimbi Pomboa Maxime, matricule 17-19-71-54-53-28, administrateur de territoire adjoint. 2, province du Nord Kivu, territoire de Lubero, colonel Donda Mandongo Dona, matricule 16-48-29-94-647, administrateur de territoire. Commissaire supérieur Komaya Ngbalo José, matricule 11-96-300-303-721, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Massissi, colonel Chinabu Kenge Christophe, matricule 15-98-71-76-39-14, administrateur de territoire. Commissaire supérieur principal, Matadizola Rémy, matricule 11-96-50-63-58-696, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Rutshuru, colonel Bakole Nyengele Luc Albert, matricule 16-88-66-73-14-37, administrateur de territoire. Commissaire supérieur à Dimundu Kiasi Blaise, matricule 11-96-40-94-63-375, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Walikale, colonel Kelo Kelo Bolokwa Ikata Serafin, matricule 16-58-84-26-438-75, administrateur de territoire. Commissaire supérieur Kasongo Kabunda Ado Laurent, matricule 11-95-70-510-52-53, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Beni, colonel Euta Omeonga Charles, matricule 17-484-24-682, administrateur de territoire. Lieutenant-colonel Kalonji Chalunga Marcel, matricule 16-29-76-21-27-40, administrateur de territoire adjoint. Territoire de Niragongo, commissaire supérieur principal Idumu Molengo Patrick, matricule 19-95-700-47-78-48, administrateur de territoire.
Commissaire supérieur Malo Samboma Jean-Marie, matricule 11 96 10 97 11 350, administrateur adjoint de territoire. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 24 mai 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guillaume Nyembo-Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 021-027 du 24 mai 2021, abrogeant l'ordonnance numéro 08-003 du 9 janvier 2008, portant implantation d'une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, hein, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 81, 91, 145 et 156, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 124, vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement ses articles 18 et 19, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 6, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres. Revue l'ordonnance numéro 08-003 du 9 janvier 2008, portant implantation d'une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. Vu l'arrêt SOUR Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est abrogé. L'ordonnance numéro 08-003 du 9 janvier 2008 portant implantation d'une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. Article 2. Les affaires mises en délibéré par la juridiction visée, à l'article 1er ci-dessus à dater de la signature de la présente ordonnance, seront prononcées dans le délai légal. Celles en cours et pendantes sont immédiatement transférées aux juridictions militaires ordinaires compétentes conformément aux dispositions de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire sans préjudice des règles de prorogation de compétences qui sont d'application.
Ces juridictions poursuivent l'instruction et statuent les conditions des règles de procédure applicables devant elles. Article 3, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort à ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 24 mai 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembumbuiza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/028 du 24 mai 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo en sigle FOGEC. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ses articles 1er et 3, vu la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 8, 9 et 12, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministres, vu les décrets numéro 20/032 du 31 octobre 2020 portant création et organisation fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, spécialement ses articles 1er, 7, 8, 9 et 13. Vu les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration. 1. Messieurs Moukanya Katanga Évariste. 2. Messieurs Mouzemba Kompa Laurent. 3. Messieurs Sami Fataki Patrick. 4. Madame Kilolo Bunda Deo Gracias. 5. Messieurs Moussa Kambouankoumbi Moïse. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom. Messieurs Moukanya Katanga Évariste, président du conseil d'administration. 2. Messieurs Mouzemba Kompa Laurent, directeur général. 3. Madame Garouka Boukara Hélène, directrice générale adjointe. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 24 mai 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembumbuiza, directeur de cabinet.